Ah oui, désolé. Alors, connectez-vous en ligne. Voilà, mettez-vous en ligne, on va échanger, c'est très important. Alors, mettez-vous en ligne. Nous allons échanger un tout petit peu, c'est très important. Alors, je vous recommande tout simplement et humblement de vouloir de faire un effort pour pouvoir partager ce petit direct dans le groupe, sur vos pages et sur vos différents murs. C'est important pour que ça puisse atteindre un bon nombre de personnes. C'est ça aussi la communication, c'est très important. Donc, il s'agit de cliquer sur partage pour partager. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi de vous abonner. Dans un mois, la sentence qui me taraude là la tête va être levée par Facebook. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, dans un mois, on fera plusieurs vues. Mais pour le moment, connectez-vous. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modone, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir. 5 heures plein de royal patrino, camarade des Oulamoudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. C'est très important. Alors, comment l'élimination de Laurent Gbagbo a été manquée? Parce que les gens ne savent pas. Ces gardes de corps-là, parmi ces gardes de corps-là, d'autres étaient manipulés et ils devraient abattre Laurent Gbagbo le 17 juin 2021. Et donc, c'est ce que je vais vous dire. Je vais vous dire, il y avait quatre gardes de corps qui devraient accomplir cette mission. Parce qu'il était piégé de tous bords. C'est Gbagbo, c'est Dieu qui l'a protégé. Hein. Si ce n'était pas l'histoire de Dieu, là, mes frères, ils allaient l'abattre. C'est clair. Si ce n'était pas l'histoire de Dieu, là, il allait être abattu. Le 17 juin 2021. Alors, en dehors de ça aussi, nous allons parler de la guerre entre Soro Diom et Abdou Richard, le procureur mondial de Côte d'Ivoire. Nous allons parler de leur dossier. Il faudrait que ça soit clair. Parce qu'à un moment donné, on doit quitter dans l'hypocrisie, prôner la paix. Mais lorsque il y a des gens qui représentent des péripéties, qui font obstacle à la paix, il faudrait qu'on les dénonce. Et donc, si ces gens-là se cachent derrière une histoire de justice pour faire barrage à cette réconciliation, il faudrait qu'on les indexe et soutenir ceux qui sont victimes du complot juridique en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, en ce sens, je ne suis pas pro Soro non plus, mais je vais apporter mon petit grain de sel à Soro Diom. Parce que quand je regarde les cyber militants de Diom Soro, je vois que sous le de Paris, c'est quelqu'un, malgré que Laurent Gbagbo, il a un grand désaccord avec le leader Laurent Gbagbo, mais cela ne l'empêche pas de lui apporter de temps en temps son soutien. C'est de ça qu'il s'agit, c'est très important et je le félicite pour ça. C'est Dogo Madou. Lui-là, il a encore l'esprit de truc de rebelle. Hein? Comment il s'appelle Dogo Madou? Il a encore esprit de rebelle et il est encore ignorant. Lui-là, il n'est pas sérieux au sein de truc du GPS. C'est-à-dire, il a un côté encore, il a une partie de son cœur qui est amoureux de Dramane Ouattara et l'autre partie est amoureux. Hein? Le cœur, je parle bel et bien du truc du cœur. C'est amoureux de Soro Diom. Donc, il n'est pas cohérent. C'est lui qui tape encore sur les gens de l'opposition. Ceux qui sont cohérents, il y a Eleonore, il y a Soule
Il y a lui avec qui j'avais fait le débat sur Ivoire TV. Il s'appelle Soro quelque chose, là. Mais je ne maîtrise pas bien son nom. Et qui encore? Bon, il y a bel et bien un autre, mais dont j'ignore son nom. Ceux-là, ils sont cohérents, mais ceux qui ne sont pas cohérents, ils sont un peu bizarres. Voilà. Jean-Fabrice a appelé. Écoute, c'est pas ici que tu vas venir vendre tes gigas. Hein. Faut enlever tes trucs de publicité de gigas là, ici. Hein? Monsieur Jean-Fabrice, enlève tes trucs de gigas là, ici. Alors, j'espère que vous allez très bien. Mon avocate aimerait vous saluer. Voilà, donc elle vous passe le grand coucou. Ah, bonjour le monde. Voilà, c'est elle qui défend mes dossiers. Donc, c'est mon avocate. Elle est l'avocate des affaires compliquées. Hmm? Les affaires dont tout le monde a peur. C'est elle qui règle tous les dossiers compliqués du monde entier. Donc, elle est incontournable, comme son père, l'incontournable, bien compris. Alors, donc, c'était juste pour vous faire passer le petit coucou. Allez, donc, coucou, hein, au monde. Voilà, donc, elle vous a déjà salué. Alors, on va passer aux choses sérieuses, c'est très important. Avant de commencer, je vais m'hydrater la gorge. Oh. Oh. Ah, on est les bons. Ça coule, bro. Ah, donc voilà, on est là. Alors, comment Laurent Gbagbo a failli être tué le 17 juin 2021? Vous savez, le RADP est toujours dans sa manipulation. Ne soyez pas étonné si Simon Gbagbo est convoqué dans les jours à venir d'avoir organisé un assassinat envers son époux Laurent Gbagbo. Ce que je vous dis là, notez ça bien. J'ai dit, ne soyez pas étonné dans les jours à venir si le gouvernement ivoirien et la justice ivoirienne convoquent Simon Gbagbo pour l'entendre sur l'assassinat manqué de Laurent Gbagbo. Parce que des gens vont témoigner que c'est Simon Gbagbo qui les a envoyés dans le but d'abattre Laurent Gbagbo. Ce que je vous dis, la notez ça quelque part. Et quand ça va arriver, dites-toi que Guégué avait fait une vidéo en parlant de ça. Mais ce gouvernement ivoirien, comme il est aussi malin, lorsque on dénonce les choses, alors il trouve un autre moyen pour voiler cette histoire. Donc peut-être quand vous allez relayer cette information, ils vont trouver autre chose. Donc, je sais de quoi je vous parle. C'est pas tout, on dévoile. Alors, donc, il y a quatre gardes-corps qui sécurisaient le véhicule de Laurent Gbagbo qui faisait partie du cortège de Laurent Gbagbo depuis l'aéroport jusqu'au QG de Laurent Gbagbo. Ces gens-là avaient été envoyés par Adama Bitogo qui les a corrompus, qui les a fait infiltrer là-dedans. Leur objectif, c'était de neutraliser le président de la République. Mais lorsqu'ils avaient accompli cette mission et que les forces de défense et de sécurité allaient les arrêter, comme le monde entier regardait, alors ils devraient avouer que la personne qui les avait envoyés, c'était Simon Gbagbo, qui les avait envoyés dans le but d'éliminer Gbagbo et Nati Baba à l'aéroport. Félix, ils allaient faire ce témoignage là et qu'ils allaient dire que une fois cette mission accomplie, ils n'ont qu'à accuser le pouvoir en place d'avoir organisé cet assassinat pour qu'il y ait un désordre au sein du pays. C'est leur témoignage qu'ils allaient donner, leur version, pour ne pas que les gens accusent le gouvernement d'avoir organisé cet assassinat. Pour dire, ah, mais le complot s'est passé entre eux, membres du FPI, ce sont eux-mêmes qui ont envoyé des gens pour éliminer leur leader. Donc, le RADP n'a rien à voir. Écoutez, ceux-mêmes qui sont responsables de ça. Ils allaient les garder en prison et après, ils allaient les prendre en cachette pour les envoyer à l'étranger, très loin de la Côte d'Ivoire, pour faire leur vie là-bas, avec beaucoup d'argent. Mais ces gens-là n'ont pas pu accomplir leur mission. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils les avaient retenus. Et ils n'ont pas pu passer à l'acte.
Voilà pourquoi je dis, non seulement Dieu a été aux côtés de Gbagbo et tous ceux qui l'accompagnaient, c'est-à-dire ses proches, Dieu les a protégés. Pavillon d'honneur, il a évité le complot organisé dans le but de prendre une balle dans la tête. Les gens même qu'ils avaient envoyés n'ont pas pu passer à l'acte pour exécuter l'ordre. Peut-être Dieu les a... Dieu les... Hein? Les a confus. Et une fois qu'ils ont vu la tête de Gbagbo, ils sont tombés aussi amoureux comme les témoins qui partaient à la CPI dans le but de témoigner contre Gbagbo. Dès lors qu'ils voyaient Laurent Gbagbo, ils le saluaient et puis ils témoignaient contre Ouattara. Donc peut-être, c'est même là, quand ils ont vu le visage de Gbagbo, ils n'ont pas pu exécuter l'ordre et ils sont tombés amoureux. Alors quand ils ont accompagné Laurent Gbagbo à son QG, à leur retour, ils ont amené le président là. Quand ils l'ont déposé au QG, ils revenaient. Alors, c'était des encagoulés. On les a arrêtés. Vous comprenez? La police ivoirienne a arrêté ces gens-là et a posé des questions à ces gens-là. Qui vous a envoyé ces gens-là? Avoue que c'est Simon Gbagbo qui les avait envoyés de tuer Gbagbo et de tuer Nathi Baba dans le but de semer le désordre et ensuite accuser le pouvoir ivoirien d'être à la base de ça. Voici ce qu'ils ont. Ils ont tenu comme propos. Mais je vous ai dit hier dans ma vidéo que le RADP cherchait à diviser le FPI. Mais dans ça, beaucoup vont tomber dans le piège. Parce que les jours à venir, là, ils vont les juger. Et ces gens-là vont témoigner de la sorte. Et ceux qui avaient la haine contre Simon Gbagbo vont prendre ça comme argument pour dire « Ah donc, Simon Gbagbo voulait éliminer Gbagbo. Ah donc, nous, on la déteste. Nous, là, on est contre Simon Gbagbo. » Et beaucoup vont commencer à se mettre avec Gbagbo pour combattre Simon Gbagbo. Et ça va diviser le FPI. Donc, ils sont encore dans leur plan de division du FPI. Donc, j'avertis en même temps, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que demain, là, ça va faire un boom. Et quand ça va faire un boom, beaucoup vont avoir une haine pas possible envers Simon Gbagbo. Ils vont dire, ah, elle a failli tuer sa rivale et aussi son époux. Et beaucoup vont croire ça. Et les membres du RADP, c'est-à-dire leurs cyber militants, ils vont prendre ça pour faire de ça vraiment une information sur la toile. Ils vont brandir ça, ça va devenir un gros buzz. Je vous ai dit, ils ont été payés pour faire cela. Et même, il se peut que même la télévision ivoirienne parle de ça. Pour incriminer Simon Gbagbo. En fait, d'envoyer une grande partie du peuple ivoirien qui faisait confiance à Simon Gbagbo et Laurent Gbagbo de se diviser pour que les militaires et militantes, ainsi que ceux qui ne sont pas des militants, mais qui sont pro-Simon, qui sont pro-Gbagbo, puissent prendre des positions radicales en fait d'haïr à jamais Simon Gbagbo et diviser le parti. Voilà le scénario. Donc peut-être, si vous relayez cette information, ils vont changer de stratégie. Ils vont changer de stratégie. Donc, Gbagbo, Dieu a été avec lui. Simon Gbagbo, Dieu merci que l'acte n'a pas été posé. Sinon, ils allaient mettre ça encore sur son dos. Ils allaient mettre ça sur son dos. Et ça allait créer un désordre pas possible. Les militants du FPI, ils allaient se battre, s'entre-déchirer. Et la présence de Laurent Gbagbo, plus la libération de Simon Gbagbo, ça n'allait rien apporter. Ça n'allait pas solidariser le parti. Ça allait encore davantage diviser le parti. Ils allaient rester là, faire une guéguerre entre eux, au lieu de se concentrer sur l'objectif final, qui est de mettre Ouattara, Dramane Ouattara, et sa bande hors d'état de nuit, dans le but de libérer le pays et de donner et les vraies institutions juridiques ainsi que les autres à notre nation pour que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne bénéficie. Donc voici l'information que je vous donne. Prenez ça au sérieux si vous ne voulez pas laisser. En tout cas, Dédé a fini de parler. Les jours à venir vont nous éclairer.
vous allez voir. S'ils n'ont pas changé bel et bien de stratégie, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, la guerre entre Adou Richard et Soro Guillaume. Adou Richard qui reproche à Soro Guillaume d'être à la base de tous les maux de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour ça, il mérite une prison à perpétuité. Pour que Soro Guillaume puisse avoir cette sentence de prison à vie, il a fallu qu'un procureur se plaide. Donc, il a plaidé pour qu'on puisse lui accorder cette sentence. Mais si Adou Richard n'avait pas exigé cela, le juge n'allait pas aller à l'extrême pour prendre une telle décision de sanction. Et cette sanction, ce qui est une condamnation à vie, Adou Richard a joué un rôle capital. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi Adou Richard passe tout son temps à accuser uniquement Guillaume Soro d'être à la base de tous les maux? Sachant bel et bien que lui-même, Adou Richard, il mange avec des criminels. Il n'a jamais eu le culot. Il n'a jamais eu les testicules poilus pour porter plainte contre ceux-mêmes qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'armée ivoirienne. Mais il passe son temps à traquer ceux qui ne sont pas au pouvoir. Parce que quand tu n'es pas au pouvoir, tu n'es plus fort. Et que tu ne peux pas protéger Adou Richard, tu ne peux pas donner des intérêts à Adou Richard, alors il faut passer à l'offensive sur ceux qui sont déjà affaiblis et qui sont dans l'opposition, qui cherchent à se repositionner. Lui, il a pour objectif de les traquer et de les neutraliser totalement. Pendant ce temps, ceux-mêmes qui sont au pouvoir, qui mangent, qui ont commis les crimes les plus graves de notre nation, ils mangent avec eux. Alors, dès lors que tu favorises les criminels et que tu manges avec eux, tu prends l'argent des criminels et que tu manges ça, tu mets ça sur ton compte, toi aussi, on ne peut pas te dissocier, hein, de la famille des criminels. Tu fais partie des criminels, Adou Richard. Donc, Adou Richard est un criminel qui cherche les criminels ailleurs. Lui-même, il devrait lui-même se condamner même. Il devrait plaider à ce que un juge ivoirien puisse le condamner à vie avant de plaider pour, contre les autres pour demander une sentence irrévocable, hein, et punitive à vie sur la vie des autres. Ça, je ne cautionne pas ça. Je vais me gratter la gorge et puis on va poursuivre Adou Richard. Mais il ne peut pas passer son temps à accuser uniquement Guillaume Soro. Je vous ai dit au début, je ne suis pas pro Soro, mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Il reproche à Guillaume Soro d'avoir fait une rébellion. Il reproche à Guillaume Soro d'avoir préparé un coup d'État pour atteindre à la sûreté de l'État. Il accuse Guillaume Soro d'avoir planifié un désordre national. Il accuse Guillaume Soro d'avoir voulu atteindre à l'intégrité physique du président de la République, appelé Alassane Ouattara, l'homme au portrait de Moukouba Séré. Écoutez-moi très bien, Adou Richard. Si on parle de rébellion dans ce pays-là, tu as été à la base de cette rébellion. Parce que tu as favorisé la rébellion. Tu es devenu procureur en quelle année? Voici la question que je pose. Un bon Ivoirien devrait se poser une telle question. Parce que Adou Richard n'est pas devenu procureur en 2010. Ce n'est pas en 2011 non plus qu'il est procureur. Il était procureur avant que 2010 n'arrive. Alors, lorsqu'il y a des hommes de droit dans une nation, et que cette même nation est attaquée, soi-disant par des rebelles, et que toi, ton pays est attaqué, tu sais que les intérêts nationaux sont menacés par des individus venant d'ailleurs qui attaquent ton pays, qui sèment la chienlie et désolation au sein de ta nation, en tant qu'homme de droit, tu peux prendre la responsabilité de porter plainte contre ces gens-là. Sans exception, Adou Richard était où lorsque cette rébellion se préparait? Il était où lorsque la guerre se passait depuis 2002? Il était où? Pourquoi n'a-t-il pas pris ses responsabilités pour faire, hein, l'expertise des lieux en cherchant des preuves dans le but de lancer des mandats d'arrêt en tant que
attaque un homme de droit qui réside dans son pays qui est la Côte d'Ivoire, à qui la Côte d'Ivoire aussi appartient, qui est le fils du pays. Pourquoi n'a-t-il pas cherché à voir des preuves? Puisque c'est ça aussi, c'est ça aussi le truc, hein. Il est procureur. Donc il a fait une formation pour être procureur. Il pouvait aussi, en tant qu'un citoyen du pays, prendre la responsabilité pour chercher des preuves et lancer un mandat d'arrêt ou bien porter plainte. Il pouvait porter plainte contre ces gens-là. Mais pourquoi il ne l'avait pas fait? Ne pas le faire, c'est de cautionner la rébellion. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que les rebelles sont au pouvoir qu'il va maintenant chercher qui était rebelle, qui préparait coup d'État. Mais hier, là, quand il favorisait cette rébellion-là, il était de même famille que les rebelles. Je pense que oui, parce que si tu n'es pas de même famille, tu n'es pas en connivence avec ces gens-là, tu allais chercher des preuves et porter plainte contre eux. Est-ce que Abdou Richard avait fait cela? Donc, à un moment donné, il a cautionné la désolation, la terreur que ces rebelles avaient sémé au sein de notre nation. Parce qu'il était avec eux. Il n'était pas dans sa veste d'Abdou Richard, dans sa cravate d'Abdou Richard. Abdou Richard, un procureur qui aime tant la justice, qui ne veut pas voir le sang d'un Ivoirien couler, qui ne veut pas voir le désordre au sein de notre nation. Il était où cet Abdou Richard? Ou bien il n'était pas encore né. C'est hier là il est né. Ou bien il n'avait pas encore eu diplôme de procureur. Je pense qu'il était procureur lorsque tout cela s'est passé. Ce n'est pas aujourd'hui il est dedans. Donc Abdou Richard, si on parle de trucs, lui-même, il est rebelle. Il est rebelle. Donc il n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son vin. Il doit revoir sa manière de faire. Parce que c'est flagrant. C'est flagrant. Son comportement là. On sait même que non, il est du même bord politique que les Adomoutons. Depuis qu'il est procureur, là, il n'a jamais poursuivi un pro-Ouattara qui est au pouvoir. Malgré tout ce qu'ils font là, il n'a jamais. C'est comme s'ils étaient au-dessus de la justice. Abdou Richard, depuis que vous êtes procureur, voulez-vous nous dire que les ministres de Côte d'Ivoire n'ont jamais fait une erreur au sein de notre nation? Voulez-vous nous dire que personne n'a jamais perturbé l'ordre public au sein de notre nation? Pourquoi n'avez-vous jamais osé poursuivre un ministre de Ouattara ou bien un militant de Dramane Ouattara ou un cadre proche de Dramane Ouattara? Et tous ceux que vous poursuivez, ce sont ceux qui sont dans l'opposition. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait à Abdou Richard? Ils ne sont pas aussi les enfants de la Côte d'Ivoire. Soro Diom, les Gbagbo, les Soultoussoul, les Bleu Boudé, les trucs, ils ne sont-ils pas les enfants de la Côte d'Ivoire? Ou bien ils sont quittés au ciel pour tomber? Si vous pensez qu'ils ne sont pas Ivoiriens, montrez-nous leur nationalité, montrez-nous leur pays d'origine. Au moins, on va leur faire comprendre que Abdou Richard dit que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas votre pays. Donc, on ne mettait plus pied là-bas, voici votre pays. Il va faire leur nationalité pour leur distribuer ça. Mais ils sont Ivoiriens. Comme vous ne suivez pas le droit, vous ne faites pas votre travail en tant que procureur, alors, votre mission, c'est de traquer tous ceux qui sont opposants à Dramane Ouattara. Est-ce qu'ils sont opposants à Abdou Richard? Eux, ils font la politique. Ils sont opposés à Ouattara. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient opposés à Abdou Richard. D'où vient cet acharnement contre les fils et filles du pays? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Ouattara. Donc, c'est fini. Dès lors qu'une personne ou un individu n'est pas d'accord avec Dramane, alors Abdou Richard, il porte sa veste de procureur. Alors, ce dernier, il déclare la guerre à tous ceux qui sont contre la politique de Dramane. Voilà quoi Justin qui souffre en prison, il a fait quoi? Il n'a rien fait, tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec Dramane. Tout simplement, il n'est pas d'accord avec Dramane. On dit non, il a voulu s'aimer le désordre au pays là-bas. Mais Diaby, ici, là, ce qu'il a fait là, c'est pire. Lui là, il fait même l'incitation à la haine. Mais pourquoi vous ne le poursuivez pas?
Parce que tout simplement, il est pro-Ouattara. Un pro-Ouattara qui dit qu'il est le président des victimes. Quelqu'un d'autre n'a qu'à se lever, qui n'est pas pro-Ouattara. Hein. Il n'a qu'à être pro-Soro, ou bien pro-Baba, ou bien pro-Blegoudé, ou bien pro-Bédier, ou bien, je ne sais pas, pro-la société civile. Ce dernier n'a qu'à s'auto-proclamer président des victimes de Côte d'Ivoire, de la manière d'Abi Issiaka le fait en ce moment. Il n'a qu'à faire regrouper certains Ivoiriens, certaines Ivoiriennes, pour dire non, un là, ils vont manifester pour que la justice soit faite. Mais automatiquement, ils vont les arrêter. Ils vont dire, ils sèment le désordre au sein de notre nation et qu'ils font incitation à la haine. Adou Richard va les arrêter, ils vont les amener à la DSC pour les chicoter. Famille de victimes, celui même qui va s'auto-proclamer président, tous ceux-là, ils seront arrêtés. Ils vont les chicoter. Et vers la fin, ils vont les conduire à la maca. On vous connaît. Parce que tout simplement, ces gens-là ne sont pas, ils ne seraient pas du côté du RADP. Donc, ils vont les chicoter, ils vont les violenter. Mais dès lors que tu es pro-Ouattara et que tu milites pour le RADP, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même couper tête des gens, chuter ça comme un ballon de football. Mon frère, tu n'es pas inquiété. Tu peux monter dans un bateau avec des machettes, des gourdins, taper les gens, les taillader. Adou Richard ne voit rien, il ne voit pas clair. C'est-à-dire, sa jumelle ne détecte pas ceux qui ont fait ça. Les caméras qui sont placées partout à Bigan, ils n'arrivent pas à filmer les plaques de ces bacas verts et identifier les propriétaires de ces bacas. Non, ils ne voyaient pas clair. Les enquêtes sont en cours. Ces enquêtes n'aboutissent à rien. Toujours ça y est en cours. Mais des gens n'ont qu'à faire l'erreur, qui ne sont pas d'accord avec Ouattara. Ils n'ont qu'à faire un petit truc. C'est-à-dire 24 ans ne passent pas et puis ils sont déjà identifiés, arrêtés. En ce moment-là, les enquêtes ils ne sont pas en cours. Hein. Ils passent automatiquement à l'offensive. Mais c'est une justice à double truc en vitesse. Et Adou Richard devrait arrêter ses bêtises. Adou Richard, vous devez comprendre que Ouattara, c'est-à-dire ceux qui sont parents d'Adou Richard, ils n'ont qu'à lui donner cette vidéo, ils n'ont qu'à écouter ça dans ses oreilles. Regardez un peu la composition politique en Côte d'Ivoire, Adou Richard. Peut-être vous êtes juriste, je dis vous êtes procureur, vous êtes dans le droit, mais vous ne connaissez pas la politique. Lisez bien la politique ivoirienne. Regardez la recomposition politique en Côte d'Ivoire et appréciez la scène du moment et vous allez tirer une conclusion de ce qui peut arriver dans les années à venir. Ainsi, vous pourrez revoir votre position vis-à-vis des opposants de Côte d'Ivoire. Nous, on ne voit pas le juge qui condamne les gens. C'est Adou Richard, on ne voit pas. C'est lui qui est le procureur. C'est lui qui va au tribunal là-bas pour se plaindre. Il faut les condamner. Je ne suis pas d'accord. Voici les preuves. C'est toi, on connaît Adou Richard. On ne connaît pas juge. Hein. Juge condamne, juge ne condamne pas. On connaît Adou Richard. Hein, c'est toi qui viens devant la presse pour tenir les gros discours, parler gros français. Ceci, cela, c'est tout, on connaît. Alassane Ouattara de 2010, Alassane Ouattara des années 2006, il n'est plus le même Alassane Ouattara des années 2020. En 2010, il avait eu une grande popularité, ce qui n'est pas contestable. Il n'y a pas de souci. Les gens avaient soutenu Alassane Ouattara. Si je dis les gens, c'est-à-dire aujourd'hui, là, tous ceux qui soutiennent Soro, tous ceux qui sont en prison, qui sont les pro-Soro, là, eux tous, là, ils étaient pro-Ouattara. Est-ce que dans ça, là, c'est mensonge encore? Ce n'est pas du mensonge. Est-ce que j'ai menti là? Soro, en commençant par Soro lui-même, les gars de Soro, c'est-à-dire l'entourage de Soro, les Soutoussou, les Alain Lobogne, tous ceux-là, ils étaient pro-Ouattara en 2010. Est-ce que c'est faux? Bon, ok. Donc, considérons qu'en 2010, c'est un exemple que je donne, hein, ils étaient au nombre de 3 millions d'Ivoiriens qui avaient donné leur voix, ou bien 5 millions d'Ivoiriens qui avaient donné leur voix à Ouattara. J'exagère, je sais qu'il ne peut jamais avoir ça, mais c'est un exemple que je donne. Considérons d'abord que 5 millions d'Ivoiriens avaient donné leur voix à Dramane Ouattara en 2010. Okay.
Au fur et à mesure que les années passent, Ouattara y perd ce nombre de personnes qu'il avait voté en 2010. Donc en 2010, ils étaient 5 millions. C'est parce que tous ceux qui lui faisaient confiance, tous ceux qui n'avaient pas découvert encore Ouattara, sa vraie nature et sa vraie identité, pensaient qu'il était l'homme idéal et le meilleur de la politique ivoirienne. Donc beaucoup ont fait confiance à Dramane Ouattara. Beaucoup ont fait confiance à Alassane. Et ils étaient tous derrière Ouattara. Mais avec les années, ils ont découvert un autre Dramane qui leur a montré une autre image de celle qu'ils avaient sur Ouattara en 2010. Ouattara le banquier, Ouattara l'économiste, Ouattara le visionnaire du monde, Ouattara lui-même qui a dirigé le FMI, Ouattara qui maîtrise l'économie du monde, Ouattara qui ne va jamais endetter la Côte d'Ivoire, Ouattara qui est un démocrate parce qu'il a une vision américaine, une vision occidentale, Ouattara qui est démocrate, Ouattara qui va développer le pays, Ouattara qui va donner du boulot à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, et aucun Ivoirien ne va encore souffrir en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens seront heureux parce que le technocrate de Dramane Ouattara arrive et va gouverner le pays. Cela avait séduit des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Mais au fur et à mesure que les jours passent, ceux qui avaient fait les éloges de Dramane, ils constatent que Ouattara, il est là cassé leur maison, sans leur proposer d'autres maisons. C'est-à-dire, il vient, il dit, là, c'est ici qu'on boit. Je ne veux plus voir les gens qui dorment ici. Oh, pourtant, ces gens-là, ils ne savent même pas où aller. Il dit, ah, nous, l'auto, prends les machines, là, casse-moi tout ça. Et puis, ils cassent. Oh, pourtant, ils avaient soutenu Ouattara. Ils cassent tout. En retour, ils n'ont rien. Ils n'indemnisent même pas ces gens-là. Ils les laissent seuls et puis vous partez à l'école, vous ne partez pas. Ils cassent tout. Et les gens, mais si tu n'as pas d'abri, tu fais comment pour aller, hein? Pour aller te cultiver, pour aller te faire éduquer. Donc ces gens-là, par manque de dortoir, ils sont dans l'obligation d'abandonner les études. Parce que c'est en plein, non? C'est en plein milieu scolaire qui fait ça. Or, dans ce cycle au bois, là, il y a des enfants qui quittent là-bas pour aller à l'école. Avec, ils sont là-bas et leurs parents, ils fréquentent. Et puis le soir, ils viennent. Mais ils viennent le soir, hein, il n'y a plus de maison. Maman pleure, papa pleure. Ils sont sous la belle étoile. On est sous le soleil ardent qui est arrêté au zénith, qui fait au moins 45 degrés. Il n'y a pas de maison. Ouattara a tout cassé à travers Anouloto. Il ne leur propose rien. Et ces gens-là se retrouvent sur les cimetières. L'image qu'ils avaient envers Ouattara, mais tout est cassé. Ils vont comprendre que Ouattara était un menteur. Il les avait menti et donc il n'était pas celui qui leur faisait faire croire qu'il était. À ce moment-là, ils ne vont plus soutenir Ouattara. Ils vont avoir un autre regard. Ils vont dire, ah, on a combattu Gbagbo, mais Gbagbo, on était là, il n'avait pas cassé nos cycles au bois. Est-ce que Dramane Ouattara, il ne nous doit pas manipuler? Le fait de dire, Gbagbo tue les nordistes, Gbagbo n'aime pas les nordistes, mais ce n'est pas Gbagbo qui casse nos maisons. Malgré qu'il disait que Gbagbo n'aimait pas les nordistes là. Mais Gbagbo était au pouvoir et puis on était là dans nos cycles bois, dans nos trucs. Et on se débrouillait pour avancer. Mais lui qui nous aime, lui qui est venu pour nous défendre, c'est lui encore qui casse nos maisons là. Vraiment, Gbagbo qui a fait ça. Donc du coup, les gens ils changent de trucs, de vision. Ils changent de mentalité. Ils voient maintenant Ouattara comme un démon. Mais cela n'est pas encore la limite de la vision des gens qui avaient fait confiance à Ouattara, qui ne font plus confiance à Ouattara. Je vais dire quoi par là, par la suite. Alors écoutez-moi très bien. Donc suite à ça, ça c'est un premier pas pour que les gens quittent Ouattara. Maintenant les fils et filles du Nord qui avaient apporté leur soutien à Dramane Ouattara, beaucoup de nordistes qui réfléchissent, je ne parle pas des nordistes moutons, parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui sont des petits moutons qui ne réfléchissent pas. Les Nyagbro là, qui ne réfléchissent pas. C'est pas Dieu, je parle des vrais nordistes là, qui sont intelligents, qui sont cultivés, qui savent ce que c'est que l'injustice. C'est de ceux-là que je parle. Donc, ceux du Nord, beaucoup de nordistes qui ont compris que Ouattara menait une politique injuste sur la population du Nord, en arrêtant certains cadres du Nord pour le foutre en taule. Mais ceux-là ont commencé à voir Ouattara comme un démon. Ils ont dit, mais Dramane, c'est pas comme ça. Malgré qu'on n'aimait pas Gbagbo,
Mais il n'arrêtait pas les sereaux, les soutes, saules, les trucs, pour les foutre en tôle. Mais toi, Ouattara, toi qui es venu nous défendre, c'est encore toi qui mets les filles et fils du Nord en prison. C'est quand même bizarre. Eux aussi, leur vision change. Ah, Gbagbo Kafisa. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, on va encore louer. Au sein du gouvernement de Dramane Ouattara, constatez bien, regardez au sein des ministres, des ministères, et ceux qui sont les ministres au sein du gouvernement de Ouattara, ceux qui gueulent beaucoup, qui parlent beaucoup, constatez que ces gens-là, ils ne sont pas ivoiriens d'origine. Je répète. Prêtez bien les oreilles, je vais vous expliquer. Ceux qui sont au sein du gouvernement de Ouattara, qui se jouent les durs parmi les ministres de Dramane, quand vous les regardez, ceux qui sont ivoiriens, là, ils ne parlent pas beaucoup. Mais ceux qui ne sont pas ivoiriens, c'est ceux-là qui gueulent beaucoup. C'est ceux-là qui poussent Dramane Ouattara à poser certains actes. Comme lui-même, peut-être, il n'est pas ivoirien. Donc, il s'attend mieux avec les non-ivoiriens d'origine que de s'attendre avec ceux qui sont ivoiriens d'origine. Mariam Traoré, par exemple, elle est ivoirienne. Vous voyez son discours vis-à-vis de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Quand vous attendez parler Mariam Traoré, bien qui sait, je parle d'elle, cette députée du RADP, vous voyez que non, elle a un discours apaisé. Elle va dans le sens de la réconciliation parce que c'est une vraie ivoirienne. Et cette ivoirienne, en tant que fille du pays, fille de la nation ivoirienne, elle veut la paix. On quitte aussi Mariam Traoré, s'il vous plaît. Regardez les discours de Kandia Camara. Elle n'est pas prête à une réconciliation entre filles et fils du pays. Parce qu'elle peut prospérer uniquement dans la division. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas ivoirienne d'origine. Elle est ivoirienne parce que elle a acquis la nationalité ivoirienne. Donc ses origines sont bel et bien la Guinée. Et à ce moment où je vous parle, elle construit une très grande école en Guinée là-bas. C'est un ami guinéen qui vit en Allemagne qui m'a donné cette information. Est-ce que vous comprenez que Kandia Camara est en train de réaliser, construire une grande école, c'est-à-dire un collège en Guinée, parce que ce sont ses origines. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, Kandia Camara, au sein du gouvernement de Ouattara, elle gueule beaucoup. Adama Bitogo, quand vous le voyez, là, ce n'est pas un Ivoirien. Mais il vient d'où? Quand il dit, ah, chez moi, il est là à affronter la fille d'Akin Ugbo dans sa localité. Il a perdu, mais il a usé de sa force brutale, parce que c'est eux qui sont au pouvoir, pour imposer sa victoire. Et comme nous avons un conseil constitutionnel et une série truffée de trucs, de mensonges, et qui ne dit pas le droit, mais ces gens-là ont décidé de dire que Adama Bitogo a gagné. La fille a essayé de protester, ils n'ont même pas cherché à savoir. On dit Adama Bitogo, Adama Bitogo. Mais est-ce que là-bas, là, on sait en Côte d'Ivoire, entre nous, Ivoiriens, on peut bouger, l'autre peut aller dans la région de l'autre, l'autre peut aller dans la région de l'autre. Je n'en disconviens pas. Le nordiste de Samatikila peut décider de venir à Divo pour vivre comme Dogomadou. Lui, c'est à Divo, ses parents. Ses parents sont à Divo. Je connais l'endroit là. Ses parents sont là-bas. Je sais bel et bien là où ils sont. On passe là et puis on va à la gare de Gagnon. Ils ne sont pas loin même de la grande voie qui quitte au rond-point de Divo, qui va tout droit vers la gare de Gagnon. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, ses parents sont là-bas. Mais il sait d'où il vient au nord. Parce qu'au nord là-bas, ses parents ont un village. Et bel et bien d'autres Ivoiriens qui habitent dans le sud ou à l'ouest ou à l'est avec leurs parents. Mais leurs parents viennent quelque part du nord. Ils viennent quelque part du nord. Donc du coup, ils savent d'où ils viennent. Moi, par exemple, en Côte d'Ivoire, je peux décider d'aller vivre à faire que c'est du coup.
ou à Korogo ou à Odiné. Aller habiter là-bas avec ma petite famille. Cela ne veut pas dire que Djégué ne sait pas d'où il vient. Si on dit Djégué, va chez toi, je prends mes bagages, je vais à Divo. Parce que je sais que mes parents, ils sont. Et c'est là-bas qu'ils vivent. Et que Djégué, il vient bel et bien de Divo. Donc je prends mes petits bagages, je vais à Divo. Parce que je sais que Divo est chez moi. Ou soit je prends mes bagages, je vais à Gagnoua. Parce que je sais que Gagnoua est chez moi. Parce que c'est la ville de ma mère. Et il y a le village de ma mère. Donc je peux aller là-bas en tant qu'un bon bété. Je peux aussi aller à Divo en tant qu'un bon dida. Je peux aussi aller à Lakota en tant qu'un bon dida. Parce que ma grand-mère paternelle vient de Lakota. Elle est dida de Lakota. Donc je peux me permettre. Je connais bel et bien son village. Les gens de son village me connaissent. Ils savent que je suis leur fils. Je peux me permettre d'aller là-bas habiter à Lakota. Ou habiter à Divo. Ou habiter à Gagnoua. Parce que je sais que j'ai chez moi. Mais Adama Bitogo, quand vous, si vous lui demandez, mettre au nom là-haut, quel est le village de tes parents qui ont déménagé pour venir habiter vers le sud, il ne saura pas quoi dire. Parce qu'il a eu la nationalité, il a été naturalisé ivoirien. C'est tout. Quand vous prenez Mamadou Touré, c'est pareil, c'est pas un ivoirien. Lui aussi, il a été naturalisé ivoirien. Mais quand vous les voyez au sein du gouvernement, des dramas de Ouattara. Ceux-là, ils ne veulent même pas la paix. Ils disent telle chose au grand jour et la nuit, ils manigancent certaines choses. Quand Sassa Kabiré, c'est quelqu'un aussi qui est ministre. Il est le ministre de la justice. Il n'aime pas la paix. C'est lui-même qui est derrière les coups. C'est lui-même qui envoie à Dourichard. Enfin, vas-y, vas-y, vas-y. Ce sont des bandits. Donc, comme les étrangers ont pris d'assaut notre nation, qui est la Côte d'Ivoire, ils exercent une influence très puissante. Et ils ont pris tous les ministères en otage. C'est eux maintenant qui gouvernent le pays là-bas. Donc ils ne veulent même pas que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et les fils et filles du pays, il y a des vrais Ivoiriens qui sont aussi ministres, ils ne peuvent pas parler. Ils sont moins dans le gouvernement de Ouattara. Ils sont moins, ils ne parlent pas. Ils sont là, ils sont timides. Et ceux qui ont été naturalisés, ils voient, c'est eux qui gueulent. C'est eux qui prennent les micros. C'est eux qui parlent. Ouais, c'est eux qui maintenant qui tracent les lignes. Comment une réconciliation doit se faire? Non, c'est inacceptable. Ils doivent rentrer en catimini. Ceci, cela. Ceci, cela. Mais, et puis, ils gueulent sur. C'est-à-dire, ils s'arrêtent sur les têtes des Ivoiriens. Et puis, ils parlent. Waouh, 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 waouh. On dirait qu'ils aboient comme des chiens. Et les vrais Ivoiriens ne peuvent plus parler, ils sont là, moins, ils regardent. Ils regardent. Parce que si tu parles, ils vont comploter, ça. Ils vont dire à Ouattara, il faut radier celui-là. Et Ouattara va exécuter tout de suite. Il va les radier. C'est eux-là qui ne veulent même pas qu'au nord, là, il y ait une émergence d'un cadre du nord. Tous ceux qui tentent d'émerger au nord, ce sont ces Ivoiriens-là. Naturalisés qui viennent d'à côté à côté, les pays limitrophes là, c'est ceux-là qui complotent pour mettre ces nordistes ivoiriens hors d'état de nuit. Ils ont comploté, ils ont chassé Soro. Ahmed Bakayoko voulait faire front contre eux. Ahmed Bakayoko les affrontait, ils ont dit bah bon, tu vas nous affronter, écoute, on va te mettre hors d'état de nuit. Ils l'ont éliminé, fier. Ils sont en complicité, elle tient Ibrahima là. Ils l'ont mis hors d'état de nuit. Adam Tricor, comment il s'appelle? Gokulibari voulait, on dit, mais toi le vieux là, tu es vieux, c'est nous maintenant, on est là. Toi, tu apprends le pouvoir et puis tu vas nous écarter. Pas question. C'est Ouattara en contrôle. On ne peut pas laisser Dramane Ouattara nommer quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Donc, tous ceux que Ouattara choisit dans le but de représenter Ouattara, un jour, eux, ils voient ce dernier comme, ou bien ils voient ce dernier comme des ennemis à abattre. Ils les neutralisent totalement. Et puis, ils sont calés. Ils crient parce qu'ils sont convaincus que Ouattara ne peut pas les radier. Voilà ce qu'ils font. Et vous, les vrais Ivoiriens du Nord, vous les regardez, vous vous soumettez. Toi, tu vas aller en Guinée, ils vont te donner nationalité et puis tu vas monter sur tête des Guinéens. Tu es né quand? Mais les Guinéens vont te fesser, ils vont te chicoter mal. Tu vas aller au Mali, tu vas devenir malien par naturalisation. Et tu vas devenir ministre, après tu vas t'arrêter sur le peuple malien pour gueuler. Mais ils vont te chicoter
Il y a longtemps, les trucs, les coïtas sont sortis de leur gang pour te montrer d'où tu viens. Tu es parti au Burkina. Tu vas être naturalisé burkinabé. Toi, tu vas t'arrêter sur tête de burkinabé pour gueuler. Wow, wow, wow. C'est comme les trucs, les diabis. Hein? Les diabis, trucs là. Les diabis. Ici, il y a diabis. C'est des gens qui ont été naturalisés ivoiriens. Et ceux-là, on dit, ah, les filles et fils du pays veulent se réconcilier parce qu'il y a eu un bagouin dans le passé. On met bas la terre et on va se parler droit dans les yeux pour se réconcilier. Ici, il y a diabis. Toi, tu es venu en Côte d'Ivoire, on t'a donné aussi la nationalité ivoirienne. C'est toi maintenant. Est-ce que tu es le... Attends, mais regardez des gens. Les nordistes là, tu es le seul nordiste. Tu n'es même pas ivoirien. Tu es venu, ils t'ont donné la nationalité. Bon, si tu penses que les nordistes sont morts, eux là, ils ne sont pas là. Au nord là, il n'y a plus de Djoula qui peut représenter les trucs, les victimes. Pour dire, bon, en tant que fils, un digne fils ou bien une digne fille de la Côte d'Ivoire, je prends l'engagement de dire que je suis ou bien je veux être le président ou la présidente des familles des victimes pour œuvrer en fait que la justice soit faite. Mais non, c'est toi étranger, les Ivoiriens, ils parlent de paix entre eux, ils veulent s'unir pour mettre bas la terre et voir quelle solution ils peuvent trouver pour satisfaire les familles des différentes victimes parce qu'on ne peut plus aller de haine en haine. Tu dis non, 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 il faudrait qu'il y ait la justice. Non, 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 il doit aller en prison. Il doit... On dit, mais tu as quel problème? C'est-à-dire, mais... jusqu'à même les nordistes, certains nordistes, beaucoup parmi eux n'étaient pas d'accord avec toi, mais tu ne voulais rien savoir. Tu dis, moi, tu as ta position, justice, comme si c'est des Guinéens ou des Maliens qui étaient morts, qui étaient les 3000 morts. On dit les Ivoiriens. Toi, on t'a donné la nationalité ivoirienne. Ferme-la. Et regarde les enfants de la Côte d'Ivoire. Ils vont parler entre eux. Ils vont discuter entre eux. Ils vont trouver la solution qui peut arranger toutes les parties du pays. Quand je dis, je ne parle pas de partis politiques, mais toutes les compositions des ethnies de la Côte d'Ivoire. On a au moins 62 à 63 ethnies. Et dans chaque ethnie, il y a eu quand même mort d'homme. Et donc, on ne peut pas prendre un groupuscule d'individus pour dire non. Cela, il représente toutes les familles de tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire. C'est de faire une fausse route. Comme on sait qu'il y a beaucoup de morts. Et les morts là, dans chaque ethnie, il y a eu des morts. Bon, on fait comment? Parce que tous les acteurs ont eu une responsabilité. Les gens qui sont morts là, c'est parce que c'est la politique qui a provoqué ça. Donc, ceux qui ont mené la politique là, qui sont les acteurs politiques là, ils ont une part de responsabilité. Et je vais vous souligner. C'est-à-dire, par exemple, si moi, je ne suis pas d'accord avec Ouattara, et que je paie un membre de ma famille, je dis c'est Ouattara qui l'a tué. Est-ce que vous comprenez? Toi, si tu n'es pas d'accord avec Gbagbo, si tu paies un membre de ta famille, tu dis c'est Gbagbo qui l'a tué. Toi, si tu n'es pas d'accord avec Bédier, si tu perds un membre de ta famille, tu dis c'est Bédier qui l'a tué. Si toi, tu n'es pas d'accord avec Soro Guillaume, et que tu perds un membre de ta famille, tu dis c'est Soro qui l'a tué. Si toi, tu n'es pas d'accord avec Bleu Goudé, et que tu perds un membre de ta famille, tu dis c'est Bleu Goudé qui l'a tué. Donc, chacun accuse l'acteur qu'il déteste en Côte d'Ivoire. Dans cette histoire de mort-là, chacun accuse son acteur. Donc, la tête de cet acteur-là l'énerve. Et qu'il pense que cet acteur-là est le bourreau du membre de sa famille. Voilà comment les choses sont. Donc, Alassane Ouattara ne peut pas accuser Alassane Ouattara d'être à la base des gens qui sont morts venant de sa famille. Donc, ceux qui sont d'accord avec Alassane Ouattara, ils accusent automatiquement Gbagbo et Bleu Goudé. Maintenant, ceux qui sont d'accord avec Bleu Goudé et Laurent Gbagbo, qui ont perdu les membres de leur famille, automatiquement, ils accusent Alassane Ouattara et Soro Guillaume d'être à la base de ces morts. Bon, on ne peut pas aller d'accusation en accusation. Voyant cela, il n'y a plus de route. Voyant cela, la situation est compliquée. On fait comment? Tu m'accuses, je t'accuse. L'autre accuse, l'autre accuse. Bon,
Ça ne peut pas avancer. On fait comment? Écoute, on met bas la terre et on décide de revoir cette histoire de mort. Ah, chacun n'a qu'à venir avec un certificat de décès. Tu dis, tu as perdu ton père dans la guerre ou ta mère dans la guerre ou quoi que ce soit. Envoie un certificat de décès. Après la guerre, il y a eu la justice. Et donc, quiconque a perdu un être cher doit envoyer des preuves qui justifient qu'il avait perdu quelqu'un dans la guerre. Suite à ces preuves, l'État ivoirien maintenant doit prendre, je n'ai pas dit Ouattara, je dis État, quel que soit, même si ce n'est pas Ouattara qui est là, si c'est un autre qui est là, si c'est Ouattara qui est là, peu importe lui qui va être là, l'État ivoirien doit prendre maintenant l'engagement, hein, d'essuyer les larmes de ses familles pour dire, bon, quand vous avez perdu des gens, écoutez, l'État va décaisser une telle somme. On sait que ça ne va pas réveiller les morts. Même si on met les gens en prison, ça ne va pas réveiller les morts. On ne met pas les gens en prison, ça ne va pas réveiller les morts. Donc, ce qu'on va faire, on met bas la terre. Et on trace d'autres lignes pour dire plus jamais ce genre de choses vont encore arriver en Côte d'Ivoire. On va voter maintenant des lois fortes pour que ces lois-là, chaque citoyen ivoirien respecte ces lois. Pour ne plus que jamais, quelqu'un se lève pour faire n'importe quoi dans le but de revendiquer quoi que ce soit et couler le sang du peuple ivoirien. Donc chaque famille va recevoir tous ceux qui vont apporter des preuves, bien sûr, de la mort de leurs parents. Si c'est deux personnes qui sont mortes dans ta famille, il faut amener deux certificats de décès. Si c'est combien de personnes, une personne, peu importe, il faut apporter une preuve. Après cette preuve, maintenant l'État va récompenser les gens. Si on a, si ils ont récompensé les mutins qui ont tout simplement fait la guerre, qui ont tué des gens, et qui va dire qu'ils n'ont qu'à leur donner 12 millions plus une villa, l'État ivoirien a décaissé cette somme. Parce que des gens ont fait la guerre, on leur a donné l'argent. Mais ceux qui ont perdu l'argent là, on fait comment? Ceux qui ont fait guerre, ils ont tué là, ils n'ont pas été en prison. Au contraire, on leur a donné l'argent. Maintenant, ceux qui ont perdu des êtres humains, on fait comment? On doit aussi donner pour eux. On doit donner leur jeton aussi. Si l'État ivoirien décide de faire 3000 constructions en Côte d'Ivoire, des maisons sociales, pour dire, bon, comme ces 3000 morts, et ces 3000 morts-là, on sait que dans chaque famille, il y a quelqu'un qui... Donc, on construit des maisons, on donne chaque famille qui a des preuves de la mort d'un membre de sa famille, écoutez, on leur donne une maison. Une maison, une maison, une maison. Plus une telle somme. Voici telle somme, voici telle somme, voici telle somme. Et on récompense toutes ces familles. Ce n'est pas pour acheter leur mort, mais pour essuyer leur larme, pour leur dire, s'il vous plaît, laissez tout, allons-y à la paix. Mais pour aller à la paix, là, il faut faire quelque chose, il faut faire un geste. Et ce geste-là, il faut leur donner des maisons, plus une enveloppe ou des chèques, pour satisfaire chaque famille. Ceux qui sont des victimes, qui ont des séquelles aujourd'hui, mais chacun doit jouir de ça. L'État doit revoir ce côté-là. Mais il ne s'agit pas de... Non, on ne veut pas. Mais ici, à Kadiabi, tu fais sortir les gens-là pour dire une carte à aller contre Babol. Tu leur donnes quoi en retour? Pendant ce temps, toi, on te donne l'argent pour organiser ça. Mais est-ce que quand tu les utilises en retour, là, tu es sur les lames au lieu de chercher une autre solution? Tu es là. Toi qui es étranger, c'est toi qui veux semer la terreur en Côte d'Ivoire. Ça n'a même pas encore commencé, tu as déjà disparu. Ton projet, c'était quoi? Ça n'a même pas encore commencé. Babo n'a même pas encore foulé le sol ivoirien. On dit, il est en route. Tu fuis déjà. Tu vas où? Faut venir. C'est-à-dire, quand il n'était pas là, tu criais, tu gueulais. Tu voulais créer une confrontation. Cadeau, gratuit. Maintenant que on dit Babo a pris son vol, il est en route, tu disparais. Ce n'est pas bien. Pourquoi tu avais pris enfant des gens, famille des gens, pour les faire sortir gratuitement sous le soleil? Par lui, va les attraper, Dieu va les attraper, ils vont mourir encore. Et puis toi, tu vas jouir de cette fraîcheur européenne avec tes filles, tes enfants, tes sérieux là. À un moment donné, tu t'es dans ça. À un moment donné là, vous les Ivoiriens nouveaux là, parce que je vais les appeler les Ivoiriens nouveaux, les Adama Bitogo et consorts,
les camps d'Yakamara, les Touré Mamadou, et les camps, quoi là, Campire, quelque chose. Quittez dans vos sales besoins. Quittez là-dedans. Les gens veulent la paix, ils veulent aller à la paix. Ce n'est pas en vous comportant comme ça. Ce n'est pas en complotant contre certains cadres du Nord pour pousser Ouattara et Abdou Richard de les mettre en prison qui consolidera le pouvoir de Dramane. Au contraire, ça a affaibli Dramane. Vous ne prenez pas conscience. Tous ceux que vous combattez là, demain là, ils vont faire bloc pour vous combattre. Aujourd'hui, Soro est devenu un ennemi. Or, Soro a ses militants. Soro là, si vous l'avez condamné à perpétuité, Soro demain, en 2025, il se peut qu'il donne un ordre à ses militants. Tous ceux qui l'aiment, il suffit qu'ils fassent un communiqué. Pour dire tous ceux qui m'aiment, qui sont contre l'injustice du RADP, envers les nordistes et envers Soro Diop, n'ont qu'à faire bloc derrière un opposant à Dramane Ouattara. Pour faire chuter le pouvoir de Dramane. Le FPI fait bloc, le PDCI fait bloc, Soro fait bloc, Blaise Goudé fait bloc. Vous pensez que vous allez gagner? Vous n'allez pas gagner. Vous allez perdre. À moins que vous preniez encore les armes pour truquer, pour dire vous avez gagné. Là encore, ça va engendrer encore d'autres morts. Et cette fois-ci, vous allez perdre la guerre. Ce n'est pas bien. Lorsqu'on est au pouvoir, il faut adopter une stratégie pour pousser le peuple à aimer celui qui est au pouvoir. Ce n'est pas en brimant le peuple que le peuple... si tu veux là, il faut arranger toutes les routes, il faut faire des ponts partout, mais dès lors que tu frustres la population, elle va se retourner contre toi, elle ne va pas t'aimer. Vous dites, Gbagbo n'a rien fait au pays, Gbagbo n'a rien fait au pays, Gbagbo n'a rien fait au pays. Mais lui qui n'a rien fait au pays, là, vous avez constaté 10 ans d'absence, il n'a même pas mobilisé ceux qui le supportaient avant. Mais à son retour, là, vous avez vu la foule. Ça veut dire, ce n'est pas une question de dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais qui est humain, qui est proche du peuple, qui s'attend à le peuple, qui parle avec son peuple, qui est là pour son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas beau faire les routes, tu vas beau faire les supermarchés comme le Cosmos, tu vas beau faire tout ça, mais lorsque tu as une haine notoire envers ta population, mais ta population va te haïr. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo n'a pas de haine contre son peuple. Vous savez, mais Blaise Goudé, il a fait quoi? Mais Blaise Goudé, bon, il n'a rien fait. Si vous voulez que je parle ainsi, je parle comme ça. Il n'a rien fait, mais il était avec le peuple. Voilà pourquoi quand Blaise parlait, le peuple était avec lui. Je peux dire que Soro Diop aujourd'hui est populaire que Ouattara. Et Ouattara, il est conscient de ça. Soro Diop a fait quoi si ce n'est pas rébellion? Il n'a rien fait. Ok. Mais les gens qui le suivaient, là, il ne les a pas réprimandés. Il ne les a pas humiliés. Il a été toujours avec eux. Je ne parle pas de ceux qui combattaient, mais ceux avec qui il était pour combattre Laurent Gbagbo là. Il n'a pas humilié ceux-là. Donc aujourd'hui, là, ces gens-là sont derrière lui. Mais Ouattara, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ne l'ont... Ils mélangent tout le monde. Ils mélangent tout parce que les Adama Bitogo sont devenus ivres de l'argent. Et le pouvoir les rend aveugles. Ils font n'importe quoi sans calculer. Parce qu'ils pensent que le jeu politique est toujours pareil. Détrompez-vous. Le jeu politique vient de changer. Avec l'entrée en scène de Laurent Gbagbo, tout change. Et vous devez comprendre, tout change. En empêchant Soro Diop et Charles Blaise Goudé de rentrer en Côte d'Ivoire, vous pensez que quoi? Mais aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de communication. Depuis leur position, ils peuvent obtenir un communiqué pour demander à leurs militants et le peuple ivoirien de voter tel candidat. Et puis c'est tout, c'est fini. Et tous, wow, ils vont partir. Donc, ce que vous faites là, c'est du n'importe quoi. Tout ce que vous faites là, c'est du n'importe quoi. Donc arrêtez cette hypocrisie. Revoyez votre politique. Ce n'est pas la peine de tenir des discours canqués, des discours haineux, dans le but de demeurer toujours au pouvoir parce que vous avez peur de la concurrence.
Diaby Lassine, je l'aimais, c'est quelqu'un que j'aime toujours avec sa femme, Mariam Diaby. J'ai dit toujours qu'au sein du RADP, là, je peux détester tout le monde, mais Diaby Lassine et Mariam Diaby, je vais toujours les respecter parce que ce sont des gens qui sont bien. Mais c'est Adama Bitogo, là. Comme ils ne savent pas, c'est Mamadou Touré qui était le président de la jeunesse, il ne savait même pas tenir la jeunesse. Il n'était pas proche, il n'est même pas proche de la jeunesse. Il s'en foutait de la jeunesse. C'est Diaby Lassine qui était proche de la jeunesse. C'est-à-dire, ce n'était pas son rôle. Il n'a pas été nommé président de la jeunesse, mais il était plus auprès de la jeunesse que celui-même qui a été nommé ministre de la jeunesse. Par la haine, comme il voyait que Diaby Lassine prenait le dessus, et qu'il lui arrachait le chapeau de la réussite auprès des actions, par les actions auprès de la jeunesse. Alors il a comploté, il a dit, Ouattara, il faut nommer lui l'ambassadeur, loin de la Côte d'Ivoire pour le casser. Et c'est ce qui a été fait. On dit, Diaby Lassine, vas-y, quitte le pays. Or pourtant, il venait d'être élu député. Tout ça, on dit, à quel bagage nickel, il faut oublier cette histoire de député. Vas-y. Il l'a mené très loin. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui. Il a été cassé. Sorodium, cassé. Ahmed Bakayoko aussi, je dis cassé, c'est mieux. Tué. Gokulibali. Ils l'ont mis hors d'état de lui. Et beaucoup parmi eux là, quiconque veut encore briller, ils vont le décapiter. Parce que ces Ivoiriens nouveaux là, ils sont là et ils contrôlent l'appareil de l'état de Ouattara. Ici, à Diaby ne vient pas du même village que Diaby Lassine. Regardez-moi un nia comme ça, Idriss Ahmed Crespo. Ici, à Diaby vient du même village que Diaby Lassine. Tu respires par ton anus ou quoi? Parce qu'il s'appelle Diaby, donc il vient du même village. Mais pourquoi vous êtes ignorant comme ça même? C'est vous là qui encouragez ces Ivoiriens nouveaux là de commettre n'importe quoi dans le pays. Oh mais vraiment, c'est pas la peine. Il y a encore des Ivoiriens idiots comme Idriss Ahmed Crespo. Voilà des gens comme... Je pense que peut-être toi aussi tu es un Ivoirien nouveau. Tu es un petit étranger malhonnête. Tu n'es pas un vrai Ivoirien. C'est ce que je constate. Alors, je ne vais plus durer. Je vous remercie. Je vous remercie. Passez une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et courage à Diom Soro et à ses éléments. Battez-vous. Ne baissez pas la garde. La lutte n'est pas facile. Je vous encourage. Vous avez vu les probables, ils n'ont pas baissé la garde. Hein? Ils n'ont pas baissé la garde. Laurent Gbagbo, là où il était parti, là, personne ne savait qu'il allait revenir. Mais les probables, ils se sont mutés entre eux-mêmes. Ils sont devenus gars. Hein, les vrais radicaux du FPI. Ils n'ont pas baissé la garde jusqu'à aujourd'hui. Ils ont obligé la communauté internationale à Dramane Ouattara à permettre à Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est rentré. Il est en Côte d'Ivoire. Personne ne peut l'arrêter en Côte d'Ivoire. Ils sont conscients. C'est une question d'imposition. C'est une question de mobilisation. Ouattara et sa bande, j'avais dit, dès que Laurent Gbagbo foulait le sol ivoirien, ils allaient l'arrêter pour l'accompagner à la Maca. Mais ils ont vu la détermination et la mobilisation. Eux-mêmes, quand ils ont vu là, ils ont su que si on fait l'erreur de l'arrêter là, c'est gâté. On risque de perdre le pouvoir le même jour parce qu'il va avoir un désordre total que eux-mêmes, ils ne pourront pas contrôler. Même au sein de son armée là, il se peut que certains soldats se révoltent. Donc quand ils ont vu ça, ils ont dit non, laissez le monsieur là, ne l'arrêtez pas. Il est condamné, non? Ils ont dit, mais quand on te condamne, 20 ans de prison ferme, ils n'ont pas dit 20 ans et ceci. Hein. Écoutez-moi. Vous voyez, quand on dit ceci, là, tu es en liberté, tu peux te balader, mais tu ne peux pas faire certaines choses. Mais on dit 20 ans de prison ferme, avec une amende. Donc, dès lors qu'il vient en Côte d'Ivoire, dès lors qu'il foule ses pieds sur le sol ivoirien, c'est à la manque directe. Mais écoutez, ça fait 4 jours qu'il est en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien est incapable de passer à l'acte parce qu'ils savent
Il pensait que Laurent Gbagbo n'était pas populaire. C'est une question de popularité. Lorsque tu as des gens qui sont déterminés, prêts à mourir pour ta cause, qui sont immenses à travers le pays, lui-même qui veut te faire du mal, il réfléchit deux fois parce qu'il se dit, ah, si je fais ça là vraiment, quelle sera la réaction de ces éléments? Parce que nous ne sommes plus en 2010, il n'y a plus l'histoire de l'ONU, il n'y a plus l'histoire de force licorne, il n'y a plus l'histoire de ceci, cela. Les gens ne sont plus pour rentrer dans leur maison pour dire qu'ils ont peur. Les données ont changé. Donc, on voit très conscient que si jamais il pose un acte aux yeux du monde entier pour attraper Laurent Gbagbo et dit il l'amène en prison, c'est mou sur son pouvoir. Donc, cela a obligé Ouattara de reculer. Donc, il voit la réalité, il ne peut pas faire des bêtises. Ici, il y a Diaby qui a caqué là. Il a vu la réalité. Il sait que si se levait, c'est plaisantin. C'est Nyambro et c'est vendeur de trucs de ganja pour aller perturber la quiétude de Laurent Gbagbo à l'aéroport là. Ils allaient les mater comme ils se devaient. Eux-mêmes là, s'ils avaient mis des calages dans leur boubou là, ils allaient oublier l'histoire des calages, ils allaient fuir. Peut-être c'est sur la mer là, à Pombué là-bas là, chacun allait chercher route sur la mer, en train de courir sur la mer. Ils ont vu clair. On dit Gbagbo en route, lui-même il s'est cherché. On dit viens ici, Gbagbo est au pays, il a peur d'être au pays, il a peur de se balader librement. À cause de ces bêtises, oh pourtant on lui avait dit, ici à Diaby, ce que tu fais là, ça peut avoir des répercussions directes sur ta personne. Ceux qui t'envoient là, demain là, si c'est mou là, ils vont quitter derrière toi. Ils disent, oh j'ai une force derrière moi, j'ai une force. Mais toi ici, ils ne vont pas te donner une armée pour te surveiller, nuit et jour. Donc tu seras livré à toi-même. Tu vas te balader seul, oh pourtant tu as fait des bêtises. Tu as mis tous les Ivoiriens sur ton dos. Donc, encore, tu vois là, tu vas te balader comment? Mais il y a des gens là, ils ne laissent pas faire. Ils ne laissent pas faire ce que tu as fait là. Et tu as humilié Laurent Gbagbo en disant que là, il est le criminel. Pourtant, il vient d'être acquitté là. Ce que tu as fait là, c'est resté dans la tête des Ivoiriens. Donc, erreur seulement, s'ils te voient, un va te faire du mal. Et soi-disant, ta force que tu as derrière toi ne peut rien faire. Quand tu as vu dedans, tu as fui. Pourquoi tu ne vas pas encore pour dire, il faut encore aller, Gbagbo est présent. Va encore pour dire, c'est tes microbes que tu prends pour venir et mentir que ce sont truc, les familles des victimes là. Toi, aux microbes, ils vont vous mélanger pour vous piler. Encore, tu vois là, Ouattara ne peut rien faire. Quand tu as vu ça là, tu as fui, il ne faut pas fuir, viens. On te conseille, il faut quitter dedans. Quitte dedans, c'est ce que tu fais là. Le pouvoir de Ouattara t'encourager. Eux-mêmes, ils ont vu la popularité. Pourquoi eux-mêmes, ils n'arrêtent pas Gbagbo? Et puis, toi, présenté là, c'est toi, ils envoient. Eux qui ont l'armée là, pourquoi ils n'arrêtent pas Gbagbo? Il n'y a plus CCDE en Côte d'Ivoire. La DST là, truc en des trucs, ils ne peuvent plus prendre Laurent Gbagbo pour l'amener là-bas, pour lui poser des questions musclées. La DST, truc en CCDE ne peut pas, c'est l'armée parallèle de truc des Dramat Ouattara et son compagnon, Thierry Ibrahim. Pourquoi ils n'envoient pas la DST? Truc en le CCDO, si c'est comme ça on les appelle, pour dire allez-y, Laurent Gbagbo il est dans sa réserve. Attrape. Par exemple, eux, ils aiment bel et bien attraper les gens la nuit avec des masques. Pourquoi ils n'envoient pas les gens pour dire ils vont attraper? Dès qu'ils attrapent Laurent Gbagbo et que les Ivoiriens apprennent que Laurent Gbagbo est arrêté, c'est gâté en Côte d'Ivoire. C'est gâté, Nani. Tout va être paralysé. Il ne peut pas dire qu'il va faire blocus à Gbagbo. Ce qu'il avait fait sur Bédier là. Quand l'ancienneté était née là, et puis ils ont fait blocus, on dit Bédier ne peut pas. Là, si Ouattara se trompe, il dit non, blocus, devant les résidents, ceux-mêmes qui vont aller faire, ils vont fuir. Ils vont pas. Ouattara, il sait, c'est pas si tout le monde a fait blocus. Et il connaît Gbagbo, voilà pourquoi il ne voulait pas qu'il retourne. Voilà pourquoi il voulait qu'il meure à la CPI. Voilà pourquoi il voulait que Fatou Bensouda le condamne définitivement à la CPI. Parce que son retour là, tout ce qu'il avait mis sur pied, on va l'arrêter, on va le mettre en prison, il va être en résidence surveillée, il n'a qu'à aller à Mama, il va s'asseoir là-bas, il n'a plus le droit de parler de politique. Toi, tu peux empêcher Gbagbo de parler de politique. Tu peux attraper, va à Mama, assieds-toi, Gbagbo, où dit-il? Et où dit? Tu as dit, va à Mama, sa vie, c'est politique. Tu ne peux pas l'empêcher de parler de politique. Hein? L'espoir de tout un peuple, toi, tu vas dire à l'espoir d'un peuple de se taire. Tu es qui, Draman? Tu peux pas. Faut passer à l'acte et puis tu vas voir les Ivoiriens. Les gens t'ont trop regardé, tu as trop maltraité le peuple. Et tu connais. Dis à tout Richard que Gbagbo est sur terrain.
C'est lui qui était zélé. Il plaidait les âges que si là, 20 ans, 20 ans, 500 milliards d'amendes. Baboué là, allez-y l'attraper pour qu'il fasse les 20 ans de prison. Si c'est à la Maca, vous le conduisez là. Ils vont casser Maca là. Si c'est Campena, ils vont boire Campena ce même jour là. Résident, ils vont casser cette résidence surveillée là. Allez-y maintenant l'attraper. Des plaisantins comme ça. Baboué est sur le terrain. Les Ivoiriens sont aux aguets, ils vous regardent. Gardez un barbier qui a fait une erreur pour dire on va mettre Laurent Gbagbo en résidence surveillée. Tout habité est gâté. Si vous faites ça, tout habité est gâté en même temps. Hein? Vous rigolez. Tout habité est gâté. Ouattara, il est conseillé, il ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'ils allaient exécuter l'ordre. Quand Laurent Gbagbo était rentré en Côte d'Ivoire, si les gens n'étaient pas sortis, s'ils voyaient que la popularité de Laurent Gbagbo ne valait rien et que personne ne sortait pour accueillir Laurent Gbagbo, ils allaient l'arrêter immédiatement. Parce qu'ils allaient être convaincus que non, son arrestation n'allait pas pousser les gens à bout pour casser tout, ou bien profiter pour faire un coup d'état, ou bien chasser Ouattara du pouvoir. Donc, si la popularité de Laurent Gbagbo n'était pas forte, ils allaient l'arrêter. Mais comme ils ont vu les gens déterminés, même la police qui voulait empêcher les jeunes d'aller à l'aéroport, à un moment donné, ça a commencé à dégénérer. Donc, Ouattara, quand il a vu ça, il dit, si les policiers continuent comme ça, là, vraiment, ça va se transformer en autre chose. Quand Kone Katine a dit, la vie du président est en danger. Quand les militants ont appris ça, on dit, ah, donc, ici, il y a Diaby veut amener ses microbes pour tuer Gbagbo. Ou bien Ouattara veut tuer. Ils sont mobilisés en même temps, ils sont devenus fous, malades. Ils ont commencé à affronter la police, ils veulent aller à l'aéroport là-bas parce qu'ils ont appris que leur leader est en danger, que Ouattara menace la sécurité de Gbagbo. Ils sont devenus barbiers dans la tête. Quand Ouattara a vu ça, il dit policiers libérés là, ils n'ont qu'à aller. Parce que là où ça va là, hein, le porte-parole du FPI, il dit Gbagbo est en danger parce que les gens menacent sa sécurité. Donc ces militants ont appris ça à... Ils ne se contrôlent plus. Laissez là, ils vont aller accueillir Gbagbo. Les policiers sont quittés là. Vous, ils sont partis. Parce qu'ils voyaient que la situation, d'un moment à l'autre, pouvait dégénérer. Lorsque Kone Katina a dit que le président était menacé. Donc, les militaires devenaient, au fil et à mesure, agressifs. Ils devenaient incontrôlables. Donc, il fallait demander à la police de quitter devant les militaires pour ne pas que ça devienne autre chose. Voilà pourquoi la police a laissé les militants passer pour aller jusqu'à Port-Boué, suivre le côté de Gbagbo. Sinon, leur objectif, c'était de les empêcher. C'était de les empêcher. Et quand ils ont vu ces milliers de personnes, ça c'est Abidjan seulement, mais en dehors d'Abidjan, là, les autres villes, là, il y avait des gens qui étaient mobilisés, qui étaient là-bas. Quand Ouattara a vu, il dit, on ne peut pas s'amuser à attraper Gbagbo. Comment il s'appelle? Adou Richard, quand il a vu, il dit procureur, il dit juge, c'est pas la peine. Parce que si on arrête, moi, Adou Richard, je ne vais plus manger. Je ne vais plus être procureur en Côte d'Ivoire. Il se peut que si on me chasse du pays, il se peut que je me retrouve aussi à la Maca, là où j'envoie les gens. Sassa Kabiré, ministre de la Justice, il s'est dit, ah, si ça dégénère, je ne vais plus être ministre. Écoutez, on ne va pas exécuter l'ordre. Et ils sont conscients que Gbagbo ne va pas payer cette amende-là. Ils savent que Gbagbo ne va rien payer. Ils sont conscients. Il ne va rien payer. 500 milliards d'amende, 200, 300 milliards. Il ne va rien payer. Ils sont conscients. Et puis, ils ne vont pas l'amener quelque part. Il ne va rien payer. Non seulement il ne va rien payer, mais il ne peut pas l'arrêter pour le mettre encore en prison. Ils sont conscients. Par exemple, dans ça, il n'y a plus l'histoire d'armée française. L'ONU, Kyoï, il n'est plus là. Il n'y a plus Nicolas Sarkozy, il n'y a plus Kyoï. Il n'y a plus Ban Ki-moon. C'est fini. Et comment on n'est plus là? Je ne suis pas très conscient. Et ceux qui le soutenaient hier, là, dans son boy, là, beaucoup l'ont quitté. Donc, il est conscient, il se dit, ah, faut pas, je vais décoller, et puis là, ça va dégénérer. Non, il est obligé de faire doucement, doucement. Mais pour Soro, là, c'est parce qu'il n'y a pas une vraie mobilisation de la part des militants de Soro. Et souvent, ils sont là, ils dandinent, ils sont inquiets. Voilà pourquoi Ouattara a exécuté. Par exemple, Ouattara, il voulait faire comme il a fait pour Soro, là. Intimider, créer des troubles pour que Laurent Gbagbo puisse
dit, ah, Laurent Gbagbo, le terrain n'est pas propice, ta sécurité ne sera pas garantie, il ne faut pas venir, il faudrait que le vol soit détourné dans un autre pays. C'est ce qu'ils voulaient provoquer. Mais les militants étaient trop gamés. Ils étaient trop... Eux là, on dit Gbagbo arrive 17. Eux, ils connaissent 17. Sécurité ou pas sécurité là. Ils affrontent Gbagbo, ils attendent Gbagbo. Boitra les gaz, ils disent, il faut gazer. Nous, on attend Gbagbo, ce qui est sûr. On est là, si on apprend qu'il est arrêté là, Boitra, on meurt, toi. C'est ça dans leur gamme. Eux, ils étaient mobilisés. Ils avaient envahi toi, Abidjan. En dehors d'Abidjan. Même les Boitra eux-mêmes, ils sont là, ils sont sur les fenêtres, ils regardaient. Ils avaient peur. Bah, ils se disent, ah, si on sort là, s'il y a affrontement, Boitra risque de tomber. Ils étaient conscients, les militants de Draman là, ils étaient conscients le 17, que s'ils sortaient pour créer le désordre là, ça allait accompagner Ouattara, mais il allait quitter le pouvoir. Parce que les militants de Gbagbo étaient trop gamés, ils avaient one gam, ils s'en vont accueillir Gbagbo. Ouattara ne pouvait pas empêcher, Gbagbo aussi c'est quelqu'un qui est déterminé. Gbagbo, faut pas, lui il dit il s'en va, il dit, dites aux Ivoiriens que je viens. Oh non, pourquoi, bon, on prend acte. Ils ne nous ont pas dit la date, on n'a pas fixé. Gbagbo dit je viens. Les militants disent on attend Gbagbo, ça finit. Ouattara est d'accord, Ouattara n'est pas d'accord, Gbagbo arrive. On dit jet, il dit je ne prends pas jet privé. C'est un avion. Hein? D'une compagnie que je prends. Si vous voulez que je ne vienne pas, c'est que tous les passagers ce jour-là, vous allez annuler le vol. Vous allez leur dire ne descendez pas. C'est la Côte d'Ivoire qui paye en jetant. Gbagbo est monté, il dit lui, il arrive. Ouattara va faire quoi? Il va détourner le gros avion là pour dire non. C'est que derrière son dos là, il va avoir le monde entier qui va le critiquer. Il était conscient, il ne pouvait pas l'arrêter. Si Soro faisait ça là, c'était simple. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris Soro et puis ça va monter dans un jet privé. C'est Soro même qui a décollé. Parce que quand tu montes dans un jet privé, tu deviens une cible facile. On peut t'abattre parce qu'on sait que ça c'est jet privé de Guillaume Soro. On t'abat et puis ça ne va nulle part. Ils vont dire non, l'avion a eu une panne hein, dans l'espace aérien de tel pays. Parce que les Occidentaux, là, ils pouvaient faire, hein, ils pouvaient comploter pour abattre l'avion de Soro Guillaume à travers un avion de chasse. Nous, on n'a pas satellite. On n'a même pas les radars pour savoir si c'est un avion de chasse. Et puis, ils vont étouffer l'affaire. Ils vont dire Soro est mort. Son avion a fait crash quelque part dans les montagnes de l'Algérie ou bien du Maroc. Ou bien dans le désert du Mali, vous comprenez. Donc Soro, plus jamais encore il va faire ça. Tu veux venir au pays là, faut plus jamais prendre un vol en truc privé. Jet privé là, c'est pas bon. Parce que je vous le garantis, si Gbagbo prenait jet privé, ils allaient créer des problèmes à ce jet privé. Et il se peut que ça fasse un crash. Ils allaient dire Gbagbo est mort. Et ils allaient dire Dieu a frappé l'avion de Gbagbo. Dieu a puni Gbagbo. Dieu a puni les gens, ils allaient croire à ça. France 24 allait faire une propagande notoire pour dire ça a fait un accident, l'avion a fait un crash. Ils n'allaient même pas chercher du côté de tricot, hein, d'un missile ou bien d'un avion de chasse qui aurait posé cet acte. Et Gbagbo allait mourir. Mais comme il est conscient, il dit je monte dans un vol public où il y a tout autre passager. Donc si vous voulez me tuer là, en tout cas ce jour-là, je ne vais pas être seul, on va être au moins 200 personnes qui vont mourir. Donc si vous êtes prêt à commettre le crime de 200 personnes, y compris les passagers européens, il n'y a pas de souci, tuez-nous en même temps. Gbagbo est monté à bord avec ses avocats, plus sa petite amie et son comité d'organisation, et les autres passagers qui venaient en Côte d'Ivoire, européens, tout est mélangé, journalistes, eux tous ils étaient dedans. Donc s'ils voulaient nuire à Laurent Gbagbo, c'est que eux-mêmes leurs propres ressortissants, ils allaient les tuer. Donc, chose qui était impossible, ils étaient obligés de voir l'avion de Gbagbo où il était. Ou bien Ryanair, hein? Ryanair, c'est un avion des Arabes. Là. Donc, ils ne peuvent pas s'attarder à abattre un avion comme ça. Ils vont avoir un problème. Les Arabes là-bas, ah, vous détruisez notre avion à cause de Gbagbo. Et entre pays européens, là, ça allait avoir problème. L'autre pays va dire, ah, tu as tué mes ressortissants. On a un radar, on a vu l'avion de chasse français qui a poursuivi la... Donc, c'est mou. Entre eux, ils se connaissent. Ils ont des satellites. Ils vont dire, c'est la France qui a fait ça. On a vu un rafale français qui a poursuivi l'avion. Donc,
Au moment où l'avion a fait le crash, il y avait un avion militaire français. La France, venez, vous allez vous justifier. Ce n'est pas bon pour l'image de la France en Afrique et au sein des pays européens. La France ne pouvait pas aider Ouattara dans ce coup-là. Donc, donc Macron, lui-même en France, il n'est pas aimé là-bas. Il est détesté. Il va encore faire un tel coup, mais les Français vont dire, mais Macron va à la poubelle en même temps. En Afrique, la France est critiquée de jour en jour. Non, la France ne pouvait pas aider Ouattara dans ce faux coup-là pour abattre un avion des pays arabes, hein, le pétrodollar, et mettre en danger ou tuer des citoyens européens au nom de quoi? Des partenariats gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire ou bien l'amour qui règne entre Macron et Ouattara. Vous pensez que les pays européens tout de suite vont se lever pour sanctionner Ouattara? Pour dire. Bon, gifler Macron, l'Allemagne va le sanctionner pour dire, mais tu te prends pour qui? Tu tues les citoyens allemands. Tu es qui? Donc, Ouattara ne pouvait pas faire une telle opération. Il était condamné à voir l'avion de Gbagbo atterri. Mais là, sur le terrain, maintenant, les militants de Gbagbo sont mobilisés. Ils sont prêts à en découdre Dramane Ouattara. Quel que soit les militants que Dramane Ouattara. On verra sur le terrain, ils sont prêts à découdre avec Ouattara. Il a vu, il dit non, c'est pas la peine. On l'a condamné, mais on ne l'a plus condamné. On l'a condamné, mais il n'a qu'à être libre. Voilà comment Laurent Gbagbo est là. Soro Diom, s'il appliquait la même chose, je vous le garantis, Ouattara ne pouvait rien faire. Il dit arrêtez. Si les militants de Soro Diom, je vous le dis, hein, tous les militants de Diom Soro, y compris ceux qui sont au nord, ils convergeaient vers le sud. Ils viennent aussi à Abidjan. Ils se mobilisent. Et ils sont prêts à accueillir Soro Diom. Et Soro Diom, ils prennent l'engagement pour dire, je vais en Côte d'Ivoire. Ils montent dans un avion. Ces militants sont déterminés. C'est-à-dire, s'il y a problème là, eux, ils sont prêts à en découdre Ouattara. Ils sont prêts à en découdre l'armée de Ouattara. Vous allez voir, Ouattara va reculer. Il va dire, je ne fais pas de désordre. Je ne veux pas de désordre. Même si Soro Diom était malin là, il prenait le même vol avec Gbagbo. C'est une opportunité qu'il a loupée comme ça. Soro Diom, je vous dis, s'il était malin, il devrait négocier avec Gbagbo pour dire, ah, vieux père, Gbagbo, je vais être dans ton vol aussi. En tout cas, je vais profiter. Donc, je vais lancer un appel à mes militants de se joindre à tes militants pour qu'ensemble, on arrive en Côte d'Ivoire. Donc, la communication allait bien passer. Ils vont dire Gbagbo et Soro Diom arrivent. Militants de Soro Diom, soyez prêts. Militants de Gbagbo, soyez prêts. Ils allaient être mobilisés, mes frères. Ouattara, quand il allait voir cette mobilisation, il n'allait même pas essayer d'arrêter un. Parmi eux, s'il arrêtait un, là, les militants de Gbagbo et Soro, ils allaient se mélanger. Ça allait devenir Niaga. Niaga national, c'est fini. Ouattara, il allait voir la menace. Il allait reculer. Il allait reculer. Et qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait dire, bon, laissez-le, quand il va arriver dans sa résidence, on va procéder à l'arrestation. À ce moment-là, ses militants allaient être debout, comme un seul homme, rester sur pied, veiller, et dire à la salle Ouattara, Ouattara, si tu fais le rêve d'arrêter Soro, on gâte le pays. On va nyagami le pays. Quand Ouattara attend ces menaces-là, il recule. C'est un peu heureux. Mais Soro, Dieu a préféré un jet privé. Ils l'ont effrayé. En l'air là-bas, dans le ciel marien, il dit allons-y au Ghana. Les militants n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas déterminés à aller accueillir Soro Diom. Voilà pourquoi Ouattara a eu raison. Mais avec Gbagbo, ce n'était pas le cas. Les gosses avaient trop one gam. Eux là, non. Ils n'ont pas vu Gbagbo 10 ans, mes frères. Ils sont prêts à mourir pour voir Gbagbo. Ils disent Ouattara, il ne faut pas te tromper, il ne faut pas faire l'erreur, sinon tu vas nous tuer. On est 10 millions qui vont tuer les 10 millions, Ouattara, faut pas faire les reins. Sinon, on va nyagami le pays. Oh, t'es chicoté. Ouattara dit, c'est pas la peine. Ne l'arrêtez pas. Ou dit-il, il arrive, laissez-le. Laissez-le. Voilà comment ils ont laissé Ouattara. Gbagbo. Ils le voient. Gbagbo sort, il va à l'église. Aujourd'hui, il est au plateau. Les CCDO sont là. Je vous dis très bien, CCDO est là. Ils voient Gbagbo. C'est le secret de renseignement. C'est le secret de Ouattara. Ils sont là, ils regardent Gbagbo, ils regardent comment ils passent,
Mais ils ont peur. Si le fusil aussi, ils savent que tout est gâté en Côte d'Ivoire. Ils vont niagami le pays. Donc, tiens, Ibrahim, corbeau, et appelle corbeau, et on fait comment? Je vois la cible passer. Il dit, on joue pas toutes les cibles. Laissez-le. Si vous la battez, c'est mou sur nous. Hein. Les gens, ils sont trop gamés. Laissez-le. Je vous ai dit de le surveiller, mais ne faites rien. Ne l'approchez même pas. Prenez les humains pour le regarder seulement. Et c'est comme ça. Oudi, oudi. Babo, il dansait aujourd'hui à la cathédrale de Platé. Il dansait. Regardez la vidéo, il dansait. Il est monté même, il est là, fait zou, zou, maman, zou. Il dansait. Il sait que ça fait gonfler. Il est parti de drama. Quand il regarde ça, il veut mourir. Il ne peut pas l'arrêter, mes frères. Il sait que Gbagbo est plus populaire que lui en ce moment-là. Il ne peut pas s'attarder à vouloir l'arrêter. Il ne peut pas. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est de mentir. Gbagbo n'aime pas l'article. Simon Gbagbo, il a émis. C'est dans cette bêtise-là qu'ils vont rester. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Je vous le garantis. Ils peuvent même pas. Même si on leur donne 1 milliard aujourd'hui de passer à l'acte, ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont le dénigrer. Ceci, cela, mais ils ne peuvent pas. Il sait qu'à Diaby, lui-même, il s'est cherché déjà. Il sait que ce n'est plus garanti de se parenter paisiblement à Bigan. Rien n'est garanti à cause de cette bêtise. Il sait que Adama Bitogo ne peut plus garantir sa sécurité. Les événements sont trop lourds qu'il sait qu'à Diaby. Il ne peut plus. Vous allez voir, peut-être il va demander pardon. J'ai fait une erreur, je suis maintenant pour la paix. Je suis pour la paix, mais il faudrait qu'on se parle. Il va changer de bouche, hein. Il va dire, il faudrait qu'on se parle. Moi-même, je suis d'accord pour la paix. Mais il faut récompenser les victimes. Il faut récompenser les victimes. C'est tout ce qu'il va dire. Sa position de dire, on va les mettre en prison. Il ne peut plus dire ça. Il connaît. Il n'a pas dit ça. On va le chicoter. il n'a pas dit les jours à venir seront déterminants. On va manifester devant la résidence de Gbagbo. Gbagbo est là, va manifester. Quand les gars vont voir, on prend que Issiaka Diaby menace la sécurité de Gbagbo. Ils vont quitter Yopougon, ils vont débarquer à Kokodi à une vitesse de lumière. Issiaka Diaby, il va oublier qu'il vient d'Abobo. Faut jouer sécurité de Gbagbo. Faut aller là-bas, tiens, diable. Toi qui as menacé Gbagbo que tu veux le tuer, ils n'ont qu'à apprendre qu'Issiaka Diaby est là et ses microbes. Ils vont débarquer là-bas, vous chicoter. Comme il se dit, Ouattara va oublier qu'il y a CCDO dans le pays. Ils vont t'appuyer ta graisse là. Ça va diminuer ce jour-là. Va militer là-bas. Va dire aux affaires, Gbagbo, tu apprends, Gbagbo est là. Les militants de Gbagbo, ils voient que non, Woody, tu es sur le terrain. Toi, tu apprends par quel Gbagbo tu es. Ton drama, en ce moment, il ne peut même pas se lever pour aller devant Gbagbo pour brandir une pancarte pour dire Gbagbo a tué. Toi, ici, tu es qui? Va devant la résidence. Au moment où Gbagbo est dans sa résidence, là, les gosses, ils sont sûrs maintenant que Gbagbo est dedans. Tu es parti là-bas. Les gens vont apprendre que non, les gens, ils sont là, rodés autour de Gbagbo. Mais eux, ils vont te voir comme une menace. Ils vont dire, ici, Diaby a loué des terroristes pour tuer Gbagbo. Mais quand ils vont apprendre qu'Issiaka Diaby est là-bas des terroristes, mes frères, Issiaka Diaby va oublier qu'il vient d'Abobo. Ils vont débarquer là-bas d'une manière. Ils vont aller défendre Gbagbo. Ils vont t'attraper, te chicoter. Toi et tes microbes là, chicoter tout le monde. Mater tout le monde comme il se doit. Je viens. On dit, Dieu connaît le bagage qui est lourd. C'est Bella qui fait semblant. J'ai déjà fini, mais on va rigoler un peu. Idriss Ahmed, comme je suis comédien là, mon frère, toi tu n'es pas comédien là-haut. Je te demande pardon, demain là,
faut ramasser les nyabro là. Si les fumeurs de Paul va devant chez Babo. Tu vas comprendre si je suis comédien ou bien si je suis réel. C'est vous qui suivez ici à Diaby, non? Mais c'est le moment, Babo est là, ça fait 4 jours, mes frères, on ne vous voit plus, hein. 4 jours. Ou bien vous ne défendez plus la victime. 4 jours. Comme je suis présenté là, ou bien comédien là, organisez-vous demain. Ramassez hein, les adomoutons d'Abobo là. Dites que c'est eux là qui sont les représentants des victimes de Côte d'Ivoire. Débarquez devant chez Tricot, la résidence de Babo. Les gens vont apprendre que non. Il y a des microbes qui sont quittés à Bobo qui s'en vont tuer Babo. C'est ce que nous on va dire. On va dire l'air est grave. On va venir sur les réseaux sociaux. On va dire chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne. Si ta mère est dans une nourriture, enlève ça dedans parce que ton leader est menacé. Laurent Gbagbo est sur le point d'être assassiné par des microbes et des mercenaires venant d'Abobo. Direction à Cocody, allez-y auprès de la résidence de Laurent Gbagbo pour neutraliser ces mercenaires et ces microbes. Mes frères, vous-même là, vous allez chercher est-ce qu'il y a la mer à Cocody à côté. Vous allez courir sur la mer. Je dis, si vous êtes, allez-y, nous on vous regarde. C'est sur Facebook, vous allez vous arrêter. Gagré, allez-y devant sa résidence, vous allez gueuler. C'est là que vous allez voir. Vous n'avez pas dit vous êtes des marmaillons ou bien des bandits, allez-y. Il n'y a plus l'ONU, il n'y a plus Ecomog. Il n'y a pas force Nicole là. Allez-y. Adama Bitogo qui est radical comme ça, là. Lui-même là, il ne parle plus de ça. Il a compris. Il a su que Babo est populaire, que son leader, Draman, il a vu clair dedans. Il a vu qu'il ne peut plus manipuler. Même s'il poussait ici à Diaby d'aller, il va avoir des accords. Il va dire, mais vieux père Adama, je ne peux pas aller. Hein. Le terrain est miné. J'ai dit, qu'on va non à Bobolet. À Bobolet. C'est nous, on met loi ici. Mes frères, ce n'est pas une question de mettre loi ou pas. On dit Babo est là, vous dites Babo a tué. Prenez des pancartes. Prenez des cartons. Prenez Big of Fit. Écrivez dessus. Hein? Prenez des cartons en pancarte, écrivez Babo assassin, Babo meurtre, 3000 morts, et puis allez-y. J'ai dit, il ne serait-ce que prenez la direction de la résidence de Babo, vous n'allez même pas arriver, et puis vous serez tellement marqué. Ce n'est pas l'armée de Ouattara, hein. Ce sont les militants de Babo même qui vont s'en charger. Ils vont vous marquer tellement que non, vous allez oublier que vous venez d'Abobo. Ah, le Woody est sitéré, et vous allez jouer avec sa sécurité. Vous allez menacer sa sécurité et les Ivoiriens vont apprendre. Même lui qui est dans son village où était, il va ce jour-là, s'il doit s'envoler avec ses ailes, il ne va même plus attendre car quand il va apprendre que les bandits de Ouattara, mais là, ils vont dire encore Ouattara, deux fois humilié, Babo, on ne peut pas accepter. Ils vont s'envoler en sorcellerie pour débarquer à Abidjan. Dans le seul but de mater les microbes de Ouattara. Je vous le garantis. Et vous êtes conscient de ce que je dis. Voilà pourquoi ceux qui manipulaient les Issiaka Diaby ont vu clair. Eux-mêmes, ils ont reculé. Même si on finance Issiaka Diaby, d'aller là, aujourd'hui, il va refuser. Parce que s'il va là, ce n'est pas sûr qu'il se retourne vivant à la maison. Et ses enfants risquent de pleurer cadeau. Parce qu'on va le voir comme un terroriste. Il faudrait que ça soit clair. On va le voir comme un terroriste ou un mercenaire qui va tuer Laurent Gbagbo. C'est ce qu'on va dire. Donc, les gens qui viennent défendre eux là, ils ne voient plus un citoyen, ils voient un terroriste qui s'en va faire un attentat contre Laurent Gbagbo. Donc, il faudrait que ce terroriste soit neutralisé comme il se doit. Donc, ils vont dans une seule gamme neutraliser Issiaka Diaby, c'est un bandit qui menace hein, l'intégrité physique de Gbagbo. C'est clair. Et si Ouattara veut se mélanger dedans, ils vont dire donc Ouattara veut tuer Gbagbo. C'est gâté à Abidjan. Mes frères, c'est gâté pays des mous.
Et il sait. Donc, s'ils apprennent, même Ouattara, quand s'il apprend que les petits Apopolais veulent se diriger devant la rue, c'est eux-mêmes qui vont faire sortir ces CDO pour les mater, pour dire vous voulez que mon pouvoir tombe. Ne faites pas ça. Il va dire, mais tiens, Ibrahima, tu es où? Tu veux que le Babo renverse mon pouvoir? Arrêtez-les, s'il vous plaît. C'est comme un pays de l'Europe qui s'en va attaquer la Russie. Les Américains vont dire, ne faites pas ça. Vous voulez que l'Amérique perde dans sa première puissance du monde? Vous ne savez pas qu'ils sont capables de nous mater aussi. Donc, arrêtez ça. Quand tu connais, et que parmi vous, il y a d'autres qui sont trop zélés, qui sont trop trucs, tu les calmes parce que tu sais que s'ils provoquent un tonnerre là, tu ne peux pas maîtriser toi, son patron. Donc tu es obligé de bien surveiller tes petits là pour dire n'allez pas causer un dégât là-bas qui va dépasser mon entendement. Donc si on se laisse, mais vous voyez que c'est clair. Mais les Abobolais les plus motivés, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas aller devant la rue. C'est comme si les probabos s'azadaient pour aller devant la rue de Ouattara. Mais non, ils seront abattus. Ils vont être considérés comme des terroristes qui s'en vont tuer Ouattara. Vous pensez que Babo, quand ils n'étaient pas là, les Ivoiriens n'étaient pas encore sûrs. Non, Issiaka Diaby pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais comme les Ivoiriens ont vu de leur propre jeu, ils savent le Woody est dedans. Et vous allez vous aider. Même si on, ici il boit goudron là, il ne peut pas. Je vous le dis. Si ici il y a Diaby boit goudron, dès que les Ivoiriens vont apprendre à qui va, je dis, c'est que ce jour-là, il a signé son arrêt de mort. Mais Ouattara ne peut pas arrêter la foule qui va débarquer là-bas pour arrêter. Ils vont le tirer comme ça, ils vont le démembrer. Ils vont arracher ses bras là. Tirer pied là-bas. Et puis prendre ses propres bras là pour chicoter le reste du corps. Vous rigolez. C'est que si je parle plus trop. Vous savez, vous faites un truc ensemble. Mais Ouattara ne peut pas amener des policiers pour mettre Laurent Gbagbo en résidence surveillée. Il sait. Le jour où il le fait, son pouvoir tombe. Il le sait, il est conscient. C'est pas, Gbagbo n'est pas bédier. Gbagbo, il n'est pas bédier. Et Ouattara est conscient, il le sait. Donc, il y a certaines choses qu'il fait sur les autres. Et il y a d'autres choses qu'il ne peut pas faire sur les autres. Ah! Si c'était d'autres cadres, il allait dire non. À l'aéroport, arrêtez-les en même temps. Mais Gbagbo, tu as arrêté Gbagbo. C'est que tu n'aimes pas ton pouvoir d'être. Tu veux encore une guerre qui va être violente que celle du passé. Rigoler. En tout cas, c'est fini. On est ensemble. Sur ce, on va se laisser. Mais les adomoutons là, vos conneries là, c'est sur Facebook. C'est fini. Sur le terrain, devant les. Où vous allez vous plaindre là, c'est à la justice là-bas. Et puis justice là ne peut rien faire. Justice ivoirienne là, ne peut pas arrêter Gbagbo pour le mettre en prison. Il faudrait que vous le sachiez. Non, c'est là-bas, au plateau là, vous allez crier. Regardez, faites ça. Vos segments que vous allez payer pied là. Et vous appelez, vous ne pouvez pas aller devant la résidence de Gbagbo pour dire, on va casser ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est sur Facebook, vous allez vous arrêter, c'est clair. Ou bien au plateau là-bas, au palais de la justice, c'est tout. Lui qui va se tromper pour prendre la direction de Cocody. Cocody n'est pas loin d'Abobo. Faites un groupe pour dire, prendre la direction de Cocody, direction chez Gbagbo. On va vous montrer d'où vous venez. D'autres vont fuir la Côte d'Ivoire en train de courir. Ils vont chercher leurs aïeux pour aller habiter là-bas. Tellement on va vous chicoter, vous allez oublier vos propres noms. Ciao.